Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Veldeman et aujourd'hui je vais entamer un nouvel épisode de Pokémon Go. C'est mieux quand tu fais des lives, quand tu sors dehors. Au moins tu bouges. Ouais, mais si je faisais un live et que ça ramait comme pas deux et que ça fait des coupures, c'est pas la peine. Là, t'auras pas beaucoup de Pokémon, là. Pas grave. Là, c'est juste pour un récap. Hier, j'ai fait une vidéo qui dure 44 minutes parce que j'ai eu des Pokémon de dernière minute. Tout à l'heure, j'ai failli attraper le Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il va sur l'eau et on peut le monter dessus. Des mantas? Voilà. La Manta. Ou deux Mantas, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà pour un nouvel épisode du petit récap de Pokémon Go. Si, elle est activée le GPS. Et voilà, je bouge pas, et ça court, et ça marche. Alors, Fantominus, Macacra et Roselia sont les Pokémon. Bon, donc sur les Pokémon que j'ai attrapés, allez. Il y a Dynavolt que je vais transférer. Et je vais voir le Smogo qui est plus fort. Voilà. Alors, le Smogo qui est plus fort, elle est où? Où il est où plutôt? Alors là, j'ai un Smogogo et je vais avoir un deuxième Smogogo en direct. Smogo 601. Et il va évoluer en Smogogo. Bah, je l'ai aussi. Mais combien il va être? Et il a harcèlement et vibre obscur. Et un œuf qui va éclore en direct. Et un Togepi apparaît, cool. Le tout mignon Togepi.
Ah, franchement, je suis content. Je suis content et en même temps un peu déçu. C'est dommage qu'il est de 290. Tu l'as celui-là? Granny Spio? Granny Pio, non, je l'ai pas. Eh, j'ai encore le Roselia qui essaye de me larguer. Et je vais pas utiliser une Pokéball, mais une Hyper Ball. Parce que un Roselia qui a 1019 de points de combat, je ne dirais pas non. Alors, bonjour, je peux évaluer ton Roselia si tu veux. Dans l'ensemble, ton Roselia a retenu toute mon attention. Son meilleur atout est son capital attaque. Ses stats dépassent tous mes calculs, c'est incroyable. Bah, c'est un très bon Pokémon, ton Roselia est de taille inférieure à la moyenne. Bah, c'est pas grave. Voilà, mon analyse est terminée, je te laisse. Alors là, j'ai eu un œuf de 2 km et je vais incuber un œuf de 5 km. Voilà, rebonsoir, désolé pour la coupure. Pendant que vous étiez pas là, j'ai eu un œuf de 2 km qui a éclos et que j'ai eu un Togepi. Togepi que j'ai dû transférer parce qu'il avait moins de points de combat, il était inférieur à 400 points de combat, il était à 209. Donc voilà. Ah bah il y a des aspicots. Là, c'est petit feu. Cas d'oiseau. Et le dresseur qui fait une danse dans le vide, lol. Bonsoir très chers utilisateurs. Bah il est parti, dommage pour lui.
Ah, Scorplan! Je l'avais totalement zappé ce Pokémon. Voilà. Corplan a bien remonté. Voilà, 1120. Il est juste derrière Kravos à 1127. Alors j'ai Nidoqueen. Et il manque Nidoking. Je pense pas qu'il y ait eu d'évolution dans la 2G en Rhinastock. Non, Rhinastock, il apparaît beaucoup plus tard. Donc les attaques sont renforcées dues à la météo. Donc là c'est l'attaque combat qui était renforcée. 15 plus 3. Donc il fait 18, ça c'est bon. Donc là c'est couvert. Donc c'est fait combat et poison qui sont renforcés, d'accord. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vais voir au niveau des œufs. Je suis quand même à 5 km 6 sur un œuf de 10 km quand même. Aussi, autre nouveauté, on peut choisir cette équipe. Voici l'équipe que j'ai choisie. D'ailleurs, au niveau des objets, il me reste quoi? Donc 273 potions, 125 super potions, un rappel, 25 pokéballs, 54 hyperballs, 10 54 hyperballs et 17 hyperballs et 145 BF en milieu, d'accord. Un roserad encore une fois. PC combien, je ne sais pas. 580, bah ça va.
C'est son attaque fée qui a été renforcée. 100 plus, combien? 20 quand même. Ça fait 120 éclats magiques, ça risque de faire mal. D'ailleurs, à part le rouge et blanc, qu'est-ce que je peux avoir? Apparence. Choisir. Ah, franchement, je suis beaucoup mieux comme ça. Après, je regarde juste, ça donnera quoi? Oh, ça ferait plus classe, mais bon, ça coûte 500 Poképièges, je les ai pas. J'imagine si je dis bonsoir à toi, jeune utilisateur, ça ferait bizarre quand même. Là, pour le moment, j'ai aucun des commentaires. Poussifeu, comme tu m'avais dit, cas d'oiseau, Roselia. Ah, ben j'ai une invasion de Roselia. T'as deux au niveau du stade et un devant la mairie annexe. Et aussi ces vipères, Marc Acrin et Obali, qui sont dans la mairie annexe aussi. Franchement, j'aime bien l'aspect météo de Pokémon Go. Parce qu'en plus, ça renforce les attaques des Pokémon du type concerné. Par exemple, vu que c'est un temps couvert, tout ce qui est type fée combat poison, elles sont renforcées. Et les attaques sont ajoutées. Par exemple, pour éclat magique à une puissance d'attaque de 100, ça rajoute plus 20. Donc ça fait 120 d'attaque. Ouais, c'est ça, fait combat poison. Donc là, j'ai déjà 7 km sur un œuf de 10 km. J'ai fait que 200 mètres sur un œuf de 5 km. Et j'ai fait 900 mètres bientôt 1 km sur un œuf de 2 km. Et dire qu'il faut 50
bonbons pour faire évoluer un Ponyta en magnifique galopin. Ah, ça, je pense savoir qui c'est. Bonsoir Yoko. Yoko, t'as raté le plus gros, franchement. J'ai eu un œuf de 2 km qui a éclos et c'est un magnifique Dokepi qui est sorti de l'œuf. Mais vu qu'il avait un PC de 209 au lieu de 400, bah, j'ai dû le transférer. Ça va Thierry? Oui, super. Beaucoup mieux qu'hier. Et toi, Yoko? Alors, j'ai pas de numéro de téléphone fixe encore. Nom de l'abonné au téléphone. J'ai pas de téléphone, nom de l'opérateur téléphonique. D'accord, bah je le remplirai demain. Sinon, tu peux mettre celui d'ici. Non, vu que ce sera de rue du Puitatier, je mettrai mon numéro de portable. Au téléphone, je mettrai un 07. Sérieux, ouais, je vais bien aussi, merci. Ok, super. En même temps, quand j'étais à Irani tout à l'heure, j'ai capturé un Roselia, un Obali, un Smogo, que je l'ai fait évoluer en Smogogo. Et là, on va voir quel Pokémon va apparaître. Par contre, je tousse encore, hein, pour info. J'ai un 05, moi, XT. Non ! Un Poussiflor qui a disparu, c'est quoi cette malchance ? Un coquillasse. Bonjour parrain, c'est pour te dire que je suis allée à la maison aujourd'hui avec Thierry. On a été chercher le restant de mes affaires. Il reste le repassage, mais celui-là, je le laisse. Je veux c'est super. Ah oui, et juste à tout couper. T'as raté ça aussi, j'ai capturé un Roserade. Je l'ai même pas modifié, hein. Je l'ai capturé, un Roserade. Voilà, qui a un PC de 2019. Ça, c'est le Roserade que j'ai capturé.
Si seulement mon personnage pouvait atteindre le Pokéstop sans que je bouge de chez moi, c'était super cool. Je te remercie pour la rose, Yoko. Oui, parce que regarde, moi, ouais. Rose cool. Ouais. Roserad, rose, bah oui. Joli jeu de mots. Ah bah cette fois-ci, tu vas pas m'échapper, toi. Attends, tout là, moi je l'ai pas. Il apparaît même pas, ce con. PC 588. Il est de plan de poison. Ah, il va pas s'enfuir. Enfoiré de... Oh, l'enfoiré de Boussiflore. Non, 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 non. C'est un enfoiré ce Boussiflore. Je lance deux Pokéballs. Il s'enfuit. Ah, Obali. Tu m'échapperas pas. Ah non, tu vas pas commencer, toi. Tiens, une baie frambi pour te calmer. Putain, ouais. J'ai même plus de fruits, j'ai tout dans les fruits. Non mais c'est pas possible, cette sorcellerie. Je sais pas si c'est la poisse ou la sorcellerie. Mais pour gâcher 2-3 Pokéball à côté d'Anobali, franchement, je trouve ça abusé. 445, je garde. Non, 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 mais attends, sérieux, c'est vrai, le Boostiflore. Je le capture avec une Pokéball, je donne une Biframbi, je recapture par une Pokéball. Il s'enfuit. Franchement, ce Boostiflore, c'est un vrai enfoiré. Mon ami Porygon. En même temps, vu qu'il a fait des kilomètres. Ah oui, il a fait pas mal. Hein. 6,1 km. 1,3 km. Ah bah s'il continue à courir sans que je bouge, moi je veux bien. Ça, tu m'étonnes, Yoko. Tu m'étonnes. Mais c'est pas grave, je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher, c'est Boostiflore que je préfère. Boostiflore. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah, ça te casse les ovaires, ouais, je comprends. Vas-y, XD. Je vais aller voir. Je veux dire, pourquoi j'ai toujours rien reçu? Qu'est-ce qui manque encore à chaque fois? Bah, il manque juste la fiche que je dois remplir.
Oh oui, vas-y, fais le marathon. Ah, je demande que ça. T'es où, Pikachu? Non! Et il a disparu. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai déjà. D'ailleurs, à la vitesse où il a couru, il a dû faire pas mal de kilomètres, même pas. Oh, j'adore la rue, il fait presque un 6. Oh, super. Vu qu'il reste planté là. Voilà le Smogogo que j'ai fait. Voilà, c'est mon Smogogo que j'ai fait évoluer en Smogogo PC 1214. Et vu que l'attaque poison est renforcée, je pense qu'il n'a même pas une seule attaque. Évaluer. Bonjour, petit 0 UGP, je peux évaluer ton Smogogo si tu veux. Dans l'ensemble, ton Smogogo est une merveille, un Pokémon captivant. Son meilleur atout est son capital PV. Ses stats dépassent tous mes calculs, c'est incroyable. Ton Smogogo est de taille inférieure à la moyenne. Bon, c'est pas grave. Voilà mon analyse, c'est terminé, je te laisse. Et attends, on est revenu. Non, je rigole. Tu attends quoi? Franchement, j'attends rien de spécial. J'attends juste que mon personnage marche tout seul. Tiens, dans la deuxième génération, est-ce que Nosferatu, oui, il a bien une évolution dans cet enfer, mais il faut que j'ai encore 60 bonbons pour l'avoir. Ok. Alors j'ai Poisson Roi, j'ai plusieurs Spectrums.
spectre poison. Ça fait 96. Porygon. Or, lui, je l'ai. J'ai pas cet objet. Et aucune attaque n'est renforcée. Alors c'est parti. Voilà. Voilà le 6, lol. Si on regarde bien le bout de la route, ça fait un 6. Ah, jamais je me ferai des cheveux verts. Jamais je me ferai des cheveux bleus. Franchement. Pour ressembler à une tête d'artichaut après, non merci. Non merci, je veux jamais. Pourquoi Non, parce que quand je vois les teintures des gens, comment ils font de leur couleur de cheveux, ça fait bizarre. Oui. Eh, mais tu m'étonnes. Moi, je reste brune. Déjà, entre ta cousine qui a fait une teinture à moitié blonde. Imagine. Si je dis like un maximum pour que ma copine ait les cheveux rouges. Ça rouge, je dirais rien. Enfin, pas un maximum, mais je ferai une mèche de mes cheveux. Non, mais tout rouge. Ça ferait Erza Scarlett. C'est plutôt une note de musique, non? Ah, bien vu, Yoko. Ouais, ça fait aussi une note de musique. Ah, franchement, bien vu, Yoko. La route, ça fait presque comme un 6, mais ça fait aussi comme une note de musique. Et Yoko a raison là-dessus. Dans une demi-heure, on va pas tarder à aller manger, à mettre la table. Dans une demi-heure? Ouais. Ouais, ça veut dire dans un quart d'heure, en gros. Ouais. Ah, dans 400 mètres, il y aura un œuf qui va éclore. Alors, genre, bouge ton popotin, et il va bouger pour attraper des Pokémon. Heureusement que je suis pas en face cap si tu montes tu sais quoi. Bah non, je vais pas te péter un peu. Non mais si tu me... Bah mais quand je fais, genre, bouge ton popotin, je te mets mon popotin en plus. Ouais, mais heureusement que je suis pas en face cam, parce qu'imagine si on voit ton popotin en face cam. Oh non. Là, t'es en train de me mater. Ah oui, mais heureusement que tu es pas en face cam. Ouais, mais heureusement que je vais pas te péter un peu à la tronche. Je savais que c'est un voleur. Je vais pas faire comme ça. Ah, allez, hop, j'ai besoin de péter. Ah, oups, oh, oui, pardon, ah, je me suis fait irradier par le pain de ma copine. LOL. Loin de là, ça va. Le pain le plus radioactif d'une femme, LOL. Ah, le pain. Bon, bref. On va passer à d'autres délires. Tu l'as vu ce Pokémon Rhino Féroce? J'ai fait évoluer Rhinocorne en Rhino Féroce. Alors Voltali, Galoppa, Fenard. J'avais saut, j'étais en train de boire du lait. Et pour me calmer, il faut que j'ai mangé du chocolat. Par contre, il y a aussi Cadoiseau. Je plains ce nom, Cadoiseau. On dirait la merde d'oiseau. Au lieu de dire caca d'oiseau, on dit Cadoiseau. C'est lequel? Il est où? Tu l'as? Ouais. C'est lequel? C'est le poulet en... avec une sacoche de Père Noël. On a capturé tout à l'heure? Ouais. Cochignon.
si je mets au lieu de mes cochignons, je change squelette, je peux faire cornichon. Et c'est pas le but. Cornichon toi-même. Cornichon. Persian. Ça c'est c'est le chat de la du boss de la Team Rocket ça. Snubble. D'ailleurs, je crois que dans la 2G, il avait une évolution, lui. C'est Grumble. Eh, il faut que j'ai 50 bonbons, d'accord. J'ai compris. Boostiflore. Il faut combien de bonbons pour faire évoluer un Ampiflore? 100, ouais, bah j'en suis loin du compte. Fampi, neuneuf. Faut être complètement neuneux pour avoir des neuneufs, lol. Persian, Onyx, Misterbe. Bah tu attends. Mimigal. Qui évolue en Migal. Il faut avoir 50 bonbons et j'en ai 24. Père Poulet Noël. Oh oh oh. Pas mal. Père Poulet Noël. Mon bébé. Elle est pas mal, on me l'a jamais faite celle-là. Père Poulet Noël. Avec un poulet. Oh oh. Oh oh oh. Ah là, Yoko, tu m'as tué. Tentacruel, Galoupa, Voltali. J'espère que le jour de Noël, il n'y aura pas les Voltali qui foutront des coups d'éclair. Hein. Ah, Hypocéan. Arbok, 1040. J'ai tué Thierry. Ne pleure pas, tu m'as tué en me faisant plier de rire, Yoko. Je suis toujours vivant, je te rassure. Oh là là. Ouais, bah pour le recharger, 45 et 3, ça fait. Ah non, c'est 15 et pas 18. Ouais, d'accord. On est juste côte à côte. Et je viens de lire ton message. Mais je vais pas le dire à haute voix quand même, que t'es en live. Bah oui, je sais, mais si je lis à haute voix, mais eux, ils peuvent le voir à haute voix. T'as compris ce que je dis? Ouais, ouais. Ah, la Pokéball mi-ouverte. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Mm-hmm. Sacré Yoko. Oui, j'ai compris. Alors, oui.
Mais vu que t'as... Pendant que tu joues, là. Non. Mm-mm. Non. Je préfère me laver avant. Ah, c'était déjà du pipi. Vu que je me suis masturbé, je préfère me laver avant. Ah non, attends, je me suis levé ce matin. Vas-y, régale-toi alors. Imagine si je le tourne en porno pendant un live. Oh oui, encore, vas-y. Non mais, vous entendez là. Imagine, ah oui, vas-y encore et tout ça. Non mais. Comment tourner YouTube en porno? L'autre qui est en live qui dit ah oui, encore, vas-y à fond, lol. Et la nana en fait mange une pastèque, lol. Là, t'inquiète pas, il y a des limites, hein, Yoko. Hein. XD. Non, mais imagine, Yoko, si le mec qui est avec sa nana qui dit oh oui, encore plus fort et que la nana mange sa pastèque, devine l'erreur. Ça tourne au porno, certes, mais devinez où est l'erreur. Bref. Tiens, je vais savoir si ce sera une fille ou un garçon. Tiens, je vais avoir un œuf qui va éclore. Lol. D'ailleurs, heureusement que les versions Pokémon sont pour tout âge. Parce qu'imagine les versions Pokémon pour les Peggy 18 version hentai. Ça ferait vraiment glauque. Allez, on va insister peut-être à l'éclosion d'un œuf, je le sens bien. J'aime bien mon personnage, marche parfois dans le vide, façon Michael Jackson. Ah, j'ai mes coffres. Ouh! Ça, il n'y a que Michael Jackson pour faire ça.
Bon, il va éclore cet œuf ou pas? Ouais, bah, il va même éclore très vite. Dis Thierry, il fait froid chez vous? Bah, vu qu'on est en hiver, oui, il fait assez froid. Mais il fait moins froid qu'au pôle Nord. Ça, c'est sûr. Mais par moment, oui, il fait froid. Pourquoi, toi, il fait chaud chez toi, Yoko? Chez nous dehors il fait froid, ça c'est sûr. Mais chez toi Yoko, est-ce qu'il fait froid ou est-ce qu'il fait chaud? Imagine, s'il y a un beau soleil, il y a du soleil et des nanana. Bah la version Pokémon, il y a du soleil et des Pokémon. Efficace c'est pas cher, c'est Rose Rod que je préfère. C'est Poussiflore. Oh Poussifeu! Attention, les Poussifeux peuvent provoquer des incendies de forêt. Hein. Sait-on jamais. Hein. Et vas-y, que je vise de côté. Oh là là. Oh mais c'est pas possible. Non mais c'est quoi ce délire? C'est le mauvais sort ça. C'est cool, il fait méga chaud, je cuis comme un œuf. D'accord. Non mais c'est pas possible! Il va se capturer, oui ou non? Ah bah enfin! Je sais pas. Alors voici un œuf mystère. Et c'est un Ramolos. Ouais bon à mon avis je suis bien ramolli du cerveau. Hein. Merci pour le GG. D'ailleurs, j'ai Roi Gada, mais... Ah si, j'ai aussi Flagados. Ok, bah j'ai le truc complet. Merci.
on va pas tarder. Et j'incube à 9. Ah bah je peux plus incuber maintenant. Ça a bien bougé, j'ai capturé un Obali, un Boosty Floor qui s'est bien enfui, c'est bien payé ma tête, mais ça c'est pas grave. Efficace, c'est pas cher, c'est Boosty Floor que je préfère. Boosty Floor, il y a pas autre chose qui est mieux. Bah, au lieu de faire de la pub pour la MAF, je fais de la pub pour Boosty Floor. Bon bah je vais vous laisser, je dis bonne soirée tout le monde, je vais mettre fin à ce live. On va manger. Je vais aller manger avant que ma femme me mange tout cru, vu que ma femme est une vampire. Non je rigole, j'exagère. Bon je dis bon appétit et à tout à l'heure, soit à la chaîne de la gang, soit à la chaîne de Zeldator. Ouais. Bonne soirée à tous, ciao. A tout à l'heure sur l'une des deux chaînes, Celtator ou la gang, je sais pas. Allez, bonne soirée tout le monde et à demain pour le prochain live.